Depuis le 16 août, les Brigittines, centre d'art contemporain et du mouvement de la ville de Bruxelles, propose la 32e édition de son festival international. Ouvert aux compagnies du monde entier et à toutes les formes scéniques contemporaines, ce festival offre des spectacles aussi divers que riches, explorant, chacun à leur manière, les contradictions et les enchantements de notre monde. Le festival se donne chaque année un thème, et c'est « La crise et le grand large » qui a été choisi pour cette édition 2013. La crise qui s'insinue, qui n'est pas qu'une question économique, elle s'insinue dans nos humeurs, dans notre sensibilité, et donc face à ce réel qui est un peu déprimant, voire menaçant, il était important, à notre sens, de mettre le focus sur l'imaginaire, en présentant des spectacles qui sont plutôt d'ordre fantasmatique, qui réinventent le monde et qui proposent un regard peut-être plus jubilatoire que ce que la réalité nous permet d'avoir. Sur les 13 compagnies qui participent au festival, 7 sont françaises et la plupart présentent pour la première fois leur spectacle en Belgique. C'est le cas du Anatomia Publica de Tomeo Vergès ou encore du spectacle Le Verrou, figure de fantaisie attribuée à Thora Fragonard, proposé par Gaëlle Bourges. Le Festival international des Brigittines s'achèvera le samedi 31 août.